Il y a quelques semaines, Laurent Bignol a quitté la présentation de Télématin sur France 2. Depuis, c'est Damien Thévenot qui en a repris les commandes, secondé depuis quelques jours par Karine Descendier. Les téléspectateurs ont donc pris l'habitude de se réveiller en compagnie de ce quadragénaire à l'allure bien sympathique. Pourtant souriant et agréable, l'animateur s'est rapidement attiré les foudres des athées sur les réseaux sociaux. Damien Thévenot n'a aucun charisme. Il aime s'entendre, coupe sans arrêt la parole à ses invités au rubricard. N'a ni le temps ni le timbre pour ce poste, a écrit un internaute de mauvais poil. Par contre, j'aimerais savoir comment il est arrivé à mettre des LED blancs dans ses dents. Virgule avait déclaré un internaute dans un tweet datant du 13 juillet dernier. À cette occasion, Damien Thévenot ne s'était pas laissé abattre et avait rétorqué une réponse pleine d'humour. Le même jour, toujours sur la plateforme Twitter, le journaliste avait déclaré « c'est ce modèle-là ». Ce dernier avait ajouté à ce message une image d'une bande de LED allumée extrêmement lumineuse dans l'obscurité. Damien Thévenot ne perd jamais son humour dans les bons comme dans les mauvais moments. En février 2015, l'animateur de Télématin sur France 2 s'était confié sur sa vie privée dans les colonnes du magazine Téléstar. « Je suis casé, comme on dit, mais je n'ai pas encore d'enfant. Avec qui ? Je ne répondrai pas. » Point. Virgule avait-il expliqué. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous en saurons plus sur la personne qui partage la vie de Damien Thévenot. Et non. Dans une story Instagram du 6 août 2021, l'homme a partagé un tendre cliché. Ses abonnés ont pu découvrir sa nouvelle fiancée. Celle-ci est en réalité une petite chienne, mais les deux ont déjà l'air bien attachés. Pour les plus curieux, il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus sur la personne qui partage la vie de Damien Thévenot.